Hello there. J'espère que vous avez vu euh, la mire qu'il y avait juste avant qu'on démarre parce que c'est absolument mythique. Je vous la remets. Bougez pas. La préface d'un bouquin qui est absolument ultra démodé mais que je kiffe s'appelle The Magic Garden Explained. The Internals of Unix System 5 Release 4 Et on va voir que cette release elle a euh, une certaine importance Et hey, le retour de Sofiane Salut Sofiane euh, L'intro est génial, le livre est génial C'est un petit peu old school et il y a pas mal de trucs euh, qui sont plus d'actualité Mais je, ne serait-ce que, que pour la préface et pour l'histoire je sais pas si je vous ai raconté euh, cette histoire d'un euh, prof qui avait fait le voyage entre l'Australie et les US une première fois pour builder, euh, je pense que c'était une X un V32 sur, euh, sur son VAX, et puis ça avait foiré, et puis il a dû refaire le voyage, machin. Bah c'est lui, et, euh, et ce bouquin est absolument génial, et euh, ils sont barrés... Et, euh, Enfin, si, si vous voyez la, la petite préface, là, c'est vraiment, vraiment le spirit du bouquin. Voilà. Et c'est euh, ce que je pense être le spirit du Et la raison pour laquelle on fait, euh, on fait ces lives. Voilà, c'était la petite intro conviviale. Je reviens. Tiens, je vais enlever ça, boum. Et puis je reviens sur la full cam pour vous parler un petit peu. Alors, voyons voir, je me suis pris des petites notes parce que j'ai des remerciements, j'ai des trucs à vous dire. Euh, oui, alors, euh, à, peine, à peine connecté, je vois que... Alors, putain, vous, avez... vous arrêtez pas de parler déjà, là. Euh, Fabstock, je ne sais pas qui tu es, Fabstock, mais je te remercie du fond du cœur car tu es subscribe euh, avec Prime. Et je te remercie beaucoup. Euh, donc, ça s'est passé avant que le stream de Neymar... Donc euh, bah voilà, je te remercie euh, beaucoup et bah comme tous les, comme tous les subs, hein, je, vous, je vous remercie à chaque fois parce que bah, c'est toujours euh, pour moi c'est toujours un, un gros kiff de voir qu'il y a des gens qui, qui sont intéressés euh, par ce qu'on fait ici qui est euh, quand même pas forcément super trivial. Hein, euh, on fait des choses un petit peu, euh, un petit peu tendax, Et euh, bah, vous, êtes, euh, vous êtes là euh, Souvent les habituer euh, au, au, au rendez-vous et ça me fait bien plaisir. Ah, je vais lire un peu ce que vous racontez là parce que vous, vous, vous êtes vous êtes très bavard ce soir là. Alors ta ah, Ok bonsoir à tous, bonsoir. X meurt évidemment le retour, enfin le retour de l'enfant euh, John Johnny qui va nous qui va nous faire un petit, euh, enfin comme d'hab euh, qui va euh, concentrer les euh, les questions dans un pad qu'on a ensemble. Euh, C'était pas dans un vieux article du, de Linux Mag Magic Garden? Si, si, j'en ai, ai, ai parlé il y a très très longtemps dans, dans Linux Mag. Effectivement. Est-ce qu'un elfe, ça se caramélise? Eh ben, on va voir. On va voir. Buenas tardes. Eh ben oui, buenas tardes. Et bienvenue. Euh, ta, 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 image et son, ok, c'est vrai que n'ai même pas pensé à vous demander. Ok ah WNKZ. <laughs> T'avais avais, avais pire comme nickname ou euh, ou, ou, ou c'est un, un vieux truc. Non je sais qui tu es, mais c'est ça, ça ça a pas été simple. Euh, ce soir, ce soir, au risque de perdre la moitié des euh, spectateurs, on on va rien péter. Enfin, on pense qu'on va rien péter. Ce soir, euh, on, on va même pas faire. Vous avez, vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les trois quatre derniers numéros, il y avait des petites matrices là qui, qui descendaient là quand on faisait du, euh, quand on faisait les vilains, quand on faisait des dépassements et tout machin qu'on quand, quand voulait euh, avoir un, un shell. Là, je enlevé, parce que là, on, là, on va faire. Ça va pas être chiant. Enfin, normalement, ça normalement, ça devrait pas être chiant. Mais euh, là, on va être plus dans du euh, dans de l'apprentissage dans des trucs un peu plus euh, euh, classiques même si il y a moyen d'en tirer profit également, mais on va pas voir ça aujourd'hui euh, ah oui alors je voulais, je voulais aussi remercier parce que à chaque fois ça se passe à la fin du live quarante 45 alors Twist europe 45 c'est un grand mystère quand le quand le, le stream se termine il file des subs à tout le monde. C'est un truc de ouf. Et à chaque fois je suis pris, pris au dépourvu, je dis ah merci et tout jusqu'à ça. Donc Twister Europe 45, je je ne sais pas qui tu es mais je t'aime. Tu, tu es tu es tu es fabuleux. Enfin, à chaque fois, boum, allez, distribution, c'est moi qui régale, je file des subs et tout Donc voilà, c'est 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 top. Alors, je pense enfin, je te vois pas là. Mais euh, ouais, ouais, grand seigneur, mais grand seigneur de ouf. Enfin, je, je sais pas qui c'est, je sais pas comment ça se passe, mais à chaque fois, euh, il régale, quoi. Euh, ah, Yes tromo. salut Yes Tromo. Ok, HWDDR, salut. Bon, t'as réussi à installer la Slackware, HWRS ou pas sinon, sinon, on se cause en privé. Hein. Euh, alors, oui, avant de démarrer. Non, t'as pas réussi, bon, bon on, on, on va se recauser alors. Euh... Ouais, c'est ça. Avant, avant de démarrer dans le vif du sujet, euh, un errata. J'ai dit une connerie la dernière fois. Ça arrive, hein? C'est classique. Salut le nain. Salut Olive. Euh... Alors, je, je, je remets pas en question la bourrinitude d'Aleph Wen. qu'est que ça, je le, je le maintiens. Par contre, j'ai dit une bêtise. Et c'est John Livingstone qui l'a relevé. Je vais mettre le browser et je vais le mettre sur ceci. Euh, donc, si vous ne connaissez pas ce site fabuleux qui s'appelle Insecture.org, c'est là où j'ai été chercher euh, la, le buffer overflow, l'exploit sur euh, SUD Pearl. Et je vous ai dit la dernière fois que. Euh, dans cet exploit, euh, l'auteur répétait euh, nombre de... Euh, enfin taille de, du buffer divisé par 2, euh, l'exploit, le shellcode. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, il le fait une seule fois. Donc c'est bourrin, malgré tout, mais en fait, l'exploit n'est répété qu'une seule fois. En fait, ici, il y a une petite boucle hein, qui balaye le shellcode. Et qui, le, et qui le copie dans le pointeur. Donc je vous invite à, à voir euh, l'épisode numéro 14, je crois. Ouais, ça, 14. Euh, parce qu'en fait, voilà, le, le shellcode n'est écrit qu'une seule fois. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un gros truc. Euh, c'est un gros numéro. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses avant. Euh, euh, c'est pas, pas quelque chose qui, que je peux résumer en 5 minutes. Euh, voilà, juste pour dire, pour ceux qui, qui suivent euh, euh, autant sur le live que sur YouTube, euh, la dernière fois j'ai dit que c'était répété plein de fois. En fait, non, ça n'est répété qu'une seule fois. Le shellcode n'est répété qu'une seule fois. Voilà, comme ça ça fait un gros spoiler. Les gens sont obligés d'aller voir avant. Putain, il a fait un shellcode et tout. Non, non. Bah, ouais. eh, on a fait un shellcode, on est passé route. Enfin, on a fait la boîte à la Slack War 3. C'était un truc de ouf. Voilà. voilà. Comme ça vous avez envie de voir les autres. Hop, c'est bon. On s'arrête tout de suite, boom, sur... Non, 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 dégage là, hop, voilà. Ok. Aujourd'hui, les petits amis... Euh, non, mais en fait, je vais remettre le browser. Il est merde, hop, voilà. Aujourd'hui, on va faire... Euh, on va faire un... Vraiment un grand bond en avant. Parce que euh, si vous vous souvenez... qu'est-ce Il n'y a pas de question, là non, 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 ok, ok, ok. Bonsoir tout le monde. Salut MJRay. Euh, attends, je, vais, je vérifie hein, les questions en même temps hein, de, de, de John Livingstone. Ok, c'est bon. Ad abonnement niveau 1. Wow, 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 wow. Attends, 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 attends. Il y a Grégoire et il s'est abonné là Oh, il y a Juice Allez, salut Juice Ah oui, ça Subscribe, Sir One Putain, Grégoire, tu te déchires. Mais vous êtes, mais vous êtes trop fort. Mais putain, mais. C'est à croire que je dis des trucs. Euh... <laughs> intéressants. C est, c est, ça commence à devenir. Je vais commencer à y croire. C est, c est... Vous m'épatez. Merci, Grégoire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait pas mal de fois. que je vous parle. de mémoire virtuelle on parle de Monique euh, qu'on explique que euh, bah, la mémoire est divisée en plein de euh, zones alors on a utilisé plusieurs noms on a utilisé section on a utilisé segment on a utilisé euh, virtual memory area enfin, on a, on a utilisé plein, pas mal de choses mais à chaque fois je vous dis oh, 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 deux minutes deux minutes on, on, on fera un numéro spécial sur euh, comment et, et organiser la mémoire et, et Qu'est-ce qui la peuple Et eh bien voilà, on y est. On est dans le numéro. Salut Rogue GG. Alors, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est Rogue One de, de, de Rogue One. Enfin, si c'est un, un hommage à Rogue One, Mais j'ai ai beaucoup aimé Rogue One, personnellement. C'est un des rares euh, Star Wars récents que, que, que j'ai aimé. Et je ne veux pas soulever de polémique. Euh, donc, c'est ça. En fait, je vous ai. J'ai euh... ai, ai laissé. Des, des petits indices comme ça sur le fait qu'on allait parler de l'organisation, de la mémoire, de Elf, de tout ça. Mais on n'est jamais vraiment rentré dans le détail. Et, euh, et bah c'est ça y est, c'est maintenant. On, on, on va rentrer dans le détail. Euh, et vous allez voir qu'en fait, c'est pas c'est pas si compliqué que ça. Enfin bon, en fait si. C'est un peu c'est un peu relou. J'ai un peu galéré à, à préparer cet épisode, mais mais en fait c'est pas si compliqué. Ce que je vous ai mis à l'écran, c'est... Alors c'est toujours pareil, hein. pour, de f... pour, pour, pour des raisons de simplicité. Euh, pour l'instant, je reste articulé sur des architectures 32 bits, un peu old school, etc. Slackware 3, nanana, sans protection, sans, euh, sans système de sécurité, etc. On va en parler de tout ça. Hein. À un moment donné, on va en parler. Mais euh, je pense que c'est important de comprendre la genèse et, euh, et l'origine des choses avant euh, de parler de euh, techniques que je ne vais même pas nommer pour l'instant. Ok, on va d'abord comprendre comment ça marche. Euh, donc, à l'écran, vous avez l'organisation euh, de la mémoire virtuelle qui est attribuée à un processus harmonique, donc. Et le kernel, évidemment, euh, lorsqu'il existe, lors de son existence. Donc, on a déjà largement parlé de la stack, okay, qui gros, reloue, grossit vers le bas, tout ça. On a un petit peu parlé de la heap, qui est euh, la zone de mémoire dans laquelle on, on alloue euh, des variables euh, euh, dynamiquement, enfin, on, on, réserve, on réserve de la mémoire dynamiquement. Et bien, il, il y a ces sections-là qui sont les sections, les zones, les segments, on verra tout à l'heure la différence, euh, dans lesquelles il y a les choses qui proviennent réellement du programme. Ok Alors, attends, qu'est-ce que tu me dis, Arpenteur La 5G en PLS Ah, ouais, bah, bah parce que je, je suis un peu entre, le cul entre deux chaises, parce qu'il y, y a des gens qui me disent que si, si je stream en dessous de 720p, c'est de la merde. Euh, et puis après, bah ouais, forcément. Euh, en 720p sur la 4G ou des, des, des trucs un peu, un peu moins bons, ça, ça ça rend pas très bien. Et puis, ça se trouve, il y a du lag et tout. Euh, donc, aujourd'hui, on va rentrer là-dedans. On va comprendre comment, finalement, on charge ce processus. Comment on, on, on arrive du disque, hein, de, de, quel que soit le disque d'ailleurs. Euh, que ce soit du disque local, du NFS, du, peu importe, comment on sort finalement ce programme du disque pour le mettre, le mapper en mémoire et le démarrer. On a déjà vu pas mal de fois, hein, on, 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 on a vu euh, en particulier euh, le Cisco, l'execve, euh, comment euh, le, le, le processus était... Démarrer, il y a un épisode exprès hein, qui parle de comment, qu'est-ce que ça veut dire exécuter un programme. On a largement parlé de, du registre EIP, euh, qui est le registre du CPU qui pointe vers l'instruction qui va être exécutée. Alors attends, euh, intéressant comme programme Ah oui, oui, bah j'espère <laughs> euh, Ok, non, c'est bon. Euh, et maintenant, on va voir, on va voir comment tout ça, euh, tout ça est réellement chargé en mémoire. Alors, donc ça, voilà, ça, ça faut bien avoir en mémoire ce, 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 ce petit schéma parce que c'est vraiment un processus, c'est ça. Un processus, c'est vraiment un espace mémoire comme ça qui est, qui, est, qui est là et qui est divisé de façon extrêmement standard. Donc, j'enlève le browser. Et on va commencer à faire des trucs. Alors, pour faire... Tiens, je vais juste aller... Alors attends, je suis où là? là vais aller dans notre répertoire favori alors il n'y a pas eu de j'ai rien push hein, euh, aujourd'hui euh, j'ai rien push on va on va faire un petit code et euh, pour que ce soit le plus simple possible alors ça va être bizarre par rapport à ma prochaine phrase là euh, mais pour que ce soit le plus simple possible on va faire un petit code en assembleur mais comme vous suivez euh, ce live depuis euh, pas mal de temps vous êtes aujourd'hui euh, tout à fait euh, affûté sur en plus ça va pas être, ça va pas être très compliqué hein. je, je, vais, je, vais, je vais bien commenter ce qu'on va faire euh, on, on va faire un tout petit code de rien qui affiche un truc à l'écran et puis voilà hein, en, en assembleur et puis on va voir comment ça se passe euh, quel est l'objectif de la session l'objectif de la session comme je vous l'ai dit ah oui une prédiction oui oui bonne idée euh, alors prédiction, est-ce qu'à la fin de cette session, j'ai complètement démystifié ce que c'est que le format elf? Voilà. Tout simplement. Ce ça serait, ça serait assez cool comme, euh, comme, comme objectif. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que bah, tout, devient, tout devient relativement limpide, en fait. Euh, donc oui, quel, quel est l'objectif de cette session Bah c'est ça. Bah, justement, voilà. Euh, c'est de démystifier, de comprendre ce que c'est que le format ELF, à quoi ça sert en fait. Euh, pourquoi, euh, qu est, qu est, enfin, qu'est-ce qui se passe quand, 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 quand on compile un truc et pourquoi c'est exécutable Ok euh, Alors déjà, je, je vais faire un tout petit peu d'histoire parce que vous savez bien que j'aime bien, bien l'histoire. Euh, moi, il y a un truc qui m'a vachement étonné euh, quand j'ai commencé à préparer euh, ce numéro-là. C'est que ELF en fait. Alors déjà, est-ce que vous savez quand a été euh, édicté le format ELF Donc ELF pour info, c'est Executable and Linkable Format. On va revenir là-dessus. Eh bien, déjà premièrement, sachez que l'OS pour lequel il a été édicté, eh bien c'est justement Unix. Système 5 Release 4. Et unix System 5 Release 4, devinez l'année de, de, sa, de sa création. Encore une fois, c'est 1995. Je ne sais pas pourquoi tout converge vers 1995 à chaque fois là. Euh, la Slackware 3, c'était 1995, euh, machin. Alors c est, c est pas, il n'y a pas de, il a pas de super hasard parce qu'en fait j'ai choisi la Slackware 3 parce que c'était justement la release euh, qui basculait de l'ancien format exécutable qui était A.out vers elf, okay, le, ce nouveau format qui a été euh, qui a été édicté par un consortium dont je j'ai pas trouvé d'autres boulot euh, qui s'appelle le TIS, le Interface Standard Committee. Et alors ces gens là. Alors vous allez, vous allez, vous allez flipper. Hein. Donc c'est des, des boîtes, hein, Qui sont mis ensemble et qui sont dit, bon voilà, il faut qu'on qu'on définisse un standard euh, d'exécutable. Et puis pour euh, que ça puisse charger des librairies dynamiques, etc. On, on va en revenir dessus Et bien les boîtes en question. Alors je voulais, jouer je j'en ai noté parce qu'il y en a certaines, je savais, d'autres je ne savais pas. Euh, bon il y a IBM évidemment IBM de toute façon euh, Je pense que IBM sont à peu près dans tous les coups euh, Je pense que euh, euh, En, en l'an 0 euh, de, Alors quel que soit l'an 0 Pour vous, hein, quelle que soit votre religion, peu importe En l'an 0, IBM était là euh, Lorsque Dieu, quel que soit le Dieu A fait bon alors euh, Je euh, vais faire un truc Je vais faire une terre Et Là Il y, y avait des consultants IBM derrière alors, si je peux me permettre, euh, pour refaire la terre, je vous conseille... Non, non, non. Ils étaient déjà là. Hein. Euh... <laughs> IBM, les Men in Black. C'est exactement ça. Ils étaient là. Ils étaient là. Euh, donc, IBM, forcément. Intel, forcément. Hein, Intel, pareil. Euh... Ou oh, au fait, vous allez utiliser mon CPU, donc... Euh, non, non. Euh, Autodesk, improbable. Mais Autodesk faisait partie de, de ce consortium. Euh, Lotus... Pour, ceux qui, pour les plus anciens entre vous, hein, Lotus, euh, ils faisait des trucs à l'époque. Il euh, y a plein de noms que je connais pas. Mi euh, Microtech, ça me dit quelque chose. Novel, Novel évidemment, hein, Novel, euh, à l'époque, ils étaient. Euh... Oui, oui, Autodesk, je, je, je suis sérieux. Oui, Lotus123, c'est ça, exactement, Lotus123. Euh, attends, il y avait. Alors, Microtech, je, je, ça me dit, ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'il faisait. Euh, Novel, bon, bah forcément, Novel, ils quand même euh, extrêmement présent euh, à l'époque. SCO, Santa Cruz Operation, hein, avec euh, toutes les emmerdes qu'ils sont eues derrière. Euh, Watcom, alors Watcom, je, je ne comprends pas ce qu'il foutaient là. Bon. Symantec, euh, Symantec, 1995, Symantec, hein, ils ont participé à l'élaboration du format Elf. J'y euh, chapeau. Euh, et, <laughs> last but not least, a votre avis 1995. Une société. Non, c'est pas deck. Eh oui. Eh oui, hardware address. Eh oui. Contre toute attente. Microsoft. Ah ouais, vous êtes plusieurs à l'avoir à, à, à euh, trouvé. Microsoft, ils étaient là. Ils étaient là. C'est marrant parce que Microsoft, on dirait, ils ont, ils ont, un, ils ont un département. De, de, de gens qui sont pas mauvais qui, qui pensaient à... et puis le, le département des Gomont qui travaille sur windows et, et tous les trucs qui merdent je sais pas je ouais, ça ils participent ils ont, ils ont des bonnes idées et tout mais mais et voilà et, et c'est pas le même c'est pas le même département je, je comprends pas c'est fou hein, bon, bon, ils ont participé à des trucs de ouf hein, en plus Microsoft en vrai hein. mais euh, mais je sais pas et alors le truc le truc qui m'a vraiment, vraiment fait euh, euh, halluciner, c'est que... Mais <laughs> ben c'est ça, le département des... Bah ben ouais, c'est le département des Golemons, je sais pas. Euh, le truc qui m'a vraiment fait euh, halluciner, c'est que... Euh, ce, ce standard, donc il date de 1995, hein, je, je, je redis. Euh, alors oui, effectivement, Microsoft avait, à l'époque, trava... il travaillait sur un Unix, et, et oui, c'est Xenix. Donc, il n'est pas exclu que euh, c'était pour ça, quoi. Euh, et donc, oui, le, le truc qui m'a vraiment euh, fait halluciner, c'est que donc ce, ce, ce format a été édicté en 1995. Et, et en fait, donc la version 1 de Elf date de 1995. Eh bien, figurez-vous qu'en 2021, le, la version de Elf est toujours... La version 1. J'ai vu, euh, alors euh, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de creuser sur les euh, les ajouts, les faiblesses, etc., etc. Il y en a apparemment, euh, j'ai pas eu le temps. Mais euh, néanmoins, vous allez voir que dans les leaders Elf, et eh ben, on est toujours en version 1 du format Elf. Donc, moi, je dis quand même euh, ultra respect. Parce que compte tenu du nombre de standards qu'on a vu passer euh, euh, à travers les âges, euh, un truc qui date de 1995 qui est toujours non seulement utilisé mais pas forcément remis en question. Hein. <laughs> Nart, si tu nous écoutes, ne touche pas à ça. Va-t'en. Oh, continue à faire des trucs là de Resolve qui marche pas avec euh, des dizaines de bugs là et tu touches pas à ça. Okay, c'est trop c'est trop gros pour toi. Arrête. Ouh là là attends il y a Hardware das qui me, il me peste un gros truc là. Euh... Ah ok c'est le c'est qui qui est euh, qui est Microtech. Euh, ok donc voilà donc pour 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 vous vraiment euh, poser le, le portrait du truc Elf. <laughs> J'arrive pas à m'enlever la gueule de Lennart qui essaie de qui essaie de refaire Elf. Euh, ouais, pour, donc c'est vraiment pour, pour vous poser le tableau. Euh, Elf, voilà, c'est un, un gros truc. Euh, c'est un standard qui est. Qui est enfin, je veux dire, aujourd'hui, tous les Unix, tous les Unix qu'on connaît, utilisent le format Elf. Pas compliqué. Okay, donc. Euh, c'est... c'est enfin, quand même pas de la merde, quoi. Enfin, c'est un, un, un truc qui est aujourd'hui ultra reconnu et qui est utilisé depuis 25 ans. C'est ça, 25 ans. Hein Putain, ça fait chier. 26 ans même. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose de faire. C'est de... Alors on pourrait. On pourrait faire un petit programme en C euh, et le compiler, nanana. Mais en fait, il y a une raison euh, forte pour laquelle je vais euh, je vais faire un programme tout petit programme en assembleur. C'est que en fait, je je, je veux qu'on ait euh, enfin je veux que ce soit facilement lisible. Et euh, je parle pas du code, je parle de je parle de de de, de, de ce qu'on va voir du format ELF. Et le truc c'est que ELF ça peut devenir à la lecture assez complexe parce qu'il euh, y a plein de trucs qui, qui se mélangent et qui sont liés au librairie, qui sont liés, librais, qui sont liés euh, euh, à l'OS. Enfin, il y, y a plein de choses qui peuvent être euh, euh, extrêmement perturbantes. Quant à la fin, si on prend un, un code extrêmement basique, vous allez comprendre beaucoup plus facilement, en fait, et beaucoup plus rapidement ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce que j'ai spécialement envie de faire de l'assembleur. Hein, J'aime bien mais... Euh, surtout depuis que je suis avec vous là. Je vois pas pourquoi là, ça m'a repris là. Euh, mais, euh, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus beaucoup plus simple euh, de, 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 de voir le résultat euh, de, de, de ce que donne Elf avec un petit bout d'assembleur qu'avec qu qu avec du C. Ok Donc on y va. On va, faire, on va faire un petit code, donc maintenant vous êtes habitués, hein. Euh, euh, depuis, euh, depuis le temps où, euh, où on fait de l'assembleur pour faire des shellcodes. Sauf que là, bah, l'objectif, c'est pas de faire, euh, de faire un shellcode. Donc, on se fout euh, d'avoir euh, euh, du 0,0 euh, dans, 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 le, dans le code machine qui va être généré. On veut simplement. Alors, je ne l'ai pas fait, donc on va y aller. Euh, J'ai pas un, un, un Michel Wright ou un truc comme ça en, en ASM. J'ai un, un... Je pense que j'ai... Ah non, non, j'ai même pas de... Non, non, non. Ok, donc on va faire un petit... Euh, on va faire un petit Michel S Ok. Euh, je rate rien, là. Y a, pour l'instant, il n'y a, a pas de questions, là. On a été très... Il euh... n'y a pas grand monde, hein 35 personnes. En fait, j'avais fait un sondage pour euh, dire ouais voilà qui, qui, euh, à quelle heure euh, vous préférez faire le truc tout quel jour et tout. Puis tout le monde avait dit ouais 21h super et tout non, non. Puis finalement j'ai moins de monde euh, à 21h le mercredi que, euh, que, le samedi à, que le samedi à 15. Bon. Alors non, non, non microtech, il nous fait non, 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 okay. Euh, ok. Salut Orgrim Rebienvenue. Bah... Ouais, je sais pas, moi. Justement, vous me dites c'est la rentrée. Moi, je m'étais dit, euh, en fait, en août, euh, bah voilà, il y, y a, que les hardcore qui sont là. Euh, euh, donc voilà, et je me disais, voilà, rentrée, ça va, ça va exploser et tout. Mais non, en fait. Euh, 21h. Ah ouais, ok, d'accord. Bon bah, écoute salut, Tardus, je t'avais pas vu. Ah, mercredi c'est chaud car depuis le taf. Et oui, 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 oui. oui. Bon, allez. On y va. On fait, on, on se fait un petit, euh, un petit d'assembleur. C'est quoi ça Attends, j'ai une, j'ai une fenêtre qui est là. Qui est... Ok. Euh... Donc qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux faire Je veux. Alors je vais faire un, un, un code assembleur vraiment euh, euh, sage. Ok. Pas d'astuces, de call, machin, et tout. Sage. Donc on y va. Euh... Vous allez, vous allez comprendre pourquoi on fait ça global start ok en gros pour l'instant je vais juste vous dire que bah, je veux que euh, start le le je vais pas dire le mot je veux pas dire le mot si je veux pas spoil euh, le label voilà on va dire le label start euh, je veux qu'il soit connu je veux qu'il soit euh, euh, utilisable donc on déclare euh, D'ailleurs, attends, mais je fais, je fais de la merde parce que c'est pas là qu'il faut le déclarer. Hop, voilà. Donc, on déclare une section, une première section. Section, j'ai bien dit section. Data. Donc, data, c'est une section dans laquelle on déclare des variables euh, qu'on initialise. Qu'est-ce que je veux faire avec ce code Je veux afficher un truc à l'écran. Euh, je vais afficher. Euh, plop. Très original. Et donc cette section data, hein, si vous vous rappelez, je vous remontre où il est, où il est, il est ici, le Firefox, il est là. Hein, la section, voilà, on a des sections prédé prédéterminées, et bah, data, typiquement, ça, euh, ça, euh, ça, ça comporte des variables qui sont initialisées. Donc c'est ce qu'on va faire. On va initialiser une variable, on va dire, euh, on va dire que c'est une variable qui s'appelle euh, str non, euh, non str c'est pas une bonne idée euh, on va dire s okay. euh, c'est un double byte et donc j'ai dit que c'était plop et on va faire un retour à la ligne et évidemment les on finit par un backslash ensuite on déclare notre section Texte! Et si vous avez bien suivi les épisodes précédents, la section texte, c'est la. C ah, j'ai fait quoi une typo dans section? Ah oui, j'ai fait. Oui oui, 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 oui. Merci. Et franchement, c'est bien. En fait, vous savez. Section. Le truc pourri là de, 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 de GitHub, la copilote. En fait, c'est vachement mieux comme ça. Hein. Copilote, en fait, ça, ça devrait être fait en, sur Twitch. On code, puis il euh, y a des gens qui, qui corrigent ce qu'on fait. Euh, donc la section texte, si vous vous souvenez bien, si vous vous souvenez bien, pardon, euh, des épisodes précédents, c'est la section dans laquelle il y a du code. Twitch Copilot, c'est ça. Il y a du code, du, du vrai code. Euh, et donc je dis que, hey, je dis que je vais exporter le label start. Si vous vous souvenez, start c'est ce que cherche le linker, on va voir ça tout à l'heure, euh, comme entry point, comme en endroit sur lequel il faut commencer à exécuter du code. Et donc, on, objectivement, on est obligé de l'exporter. À un moment donné, il faut, faut dire, voilà, il se passe des trucs à, à, à ce label-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler euh, le syscall, vous vous rappelez, euh, le syscall numéro... Euh, alors, donnez-moi une petite seconde, c'est le numéro 4. 4 Ouais, write, numéro 4. Je vous montre. Disco numéro 4. Donc c'est write, je vais afficher un truc à l'écran. Euh, le premier paramètre, c'est le file script, donc ça va être 1, pour rester des out. Deuxième paramètre, c'est ce que je veux écrire. Troisième paramètre, c'est le nombre de caractères. On est d'accord Ça maintenant, euh, vous devriez être euh, assez à l'aise avec tout ça. Hein. Bon, je pense qu'on l'a vu un certain nombre de fois. Donc on move, on a dit euh, dans EAX4, donc le numéro Disco. Ouais là je prends pas de pincette, hein, je fais pas euh, je fais pas du move AL comme la dernière fois pour éviter les, 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 les 0, 0 et tout. Je move euh, donc le descripteur donc EBX1. Je move. Dans ECX, qui est la chaîne de caractère. Qu'est-ce que je fais là ECX, qui est la chaîne de caractère. Donc c'est S. Okay, je move l'adresse de S dans ECX. Et ça, c'est important, ça. Ça là. Non, ça. C'est important pour la suite des opérations. Je move l'adresse de S dans ECX. Ok Je move. Euh, Qu'est-ce que c'était Ah oui le le, le, le euh, donc dans EDX bah là il y a combien là Il y a Plop ça fait 4 retour à la ligne 0 donc 6 et INT 0x80 pour appeler le syscall. Euh, ok donc là rien de rien de super euh, balèze. Par contre là ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler le syscall exit. Parce que dans nos épisodes précédents, on exécutait quelque chose. Hein, on faisait un syscall d'exec Et euh, il se trouve qu'on appelait un shell et du coup on exitait le, le shell, donc c'était propre. Mais là si on fait rien là, en fait on va. On va aller. Enfin euh, le, le euh, euh, EIP, il va continuer à chercher des trucs. Sauf qu'il a tombé sur de la merde là derrière. Il n'y okay aura rien pour l'arrêter. Donc il faut qu'on exite. Objectivement. C'est quoi le 10 c'est quoi le 10 Quoi 10 Où ça 10 Ah, c'est euh, n. Voilà. Retour à la ligne. Donc, euh, ouais ça, je vais faire un petit cisco euh, exit. Donc, move. Alors, exit c'est 1. Entre en, en architecture x86. Je suis toujours en, en architecture x86. Hein, attention. Hein. Euh, donc, tac, 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 1. Je veux un code de retour. Donc EBX0, tout s'est bien passé. Et INT0x81. 80 est ce qu'on est bon da 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 Ok. Ça devrait être bon. Donc je t'ai appelé comment toi Ok. Alors normalement j'ai un, un make file assez sympathique qui me permet de faire make. Comment je l'ai appelé Comment je l'ai appelé Simple, non. Michel, sim, non. ASM, ASM, write.s. Donc ça va être asm, asm .bin. Voilà. Alors, c'est là. C'est là que ça devient sympa. Écoutez-moi bien. Alors, est-ce que le zéro en fin de chaîne est nécessaire vu qu'on n'est pas en C? Oui. Tu finis tes strings avec un zéro. Justement parce que t'es pensé. Euh, D'ailleurs, rappelle-toi la dernière fois quand on en a fait, fait l'échelle code. Il a fallu terminer binassage par zéro. Et de la même façon, on a terminé argv. C'est quoi la phrase hors contexte On a fini, on a terminé argv également avec un zéro. Euh, ok. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on a là, 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 il faut se concentrer. Avant de faire quoi que ce soit, bah je vais juste le rendre. Le... <laughs> tu finis tes strings par 0f, c'est ça C'est vrai, vrai. vrai que c'est un peu chelou. Euh... Avant de faire quoi que ce soit, on va juste vérifier que euh, Michel à SM Write, ça marche, ça marche. Ok, ça affiche plop. Le, je, pas de Rodriguez, hein, franchement ça c'est rien du tout, c'est euh, juste ça affiche, ça affiche une, une chaîne de caractère, on l'a fait mille fois. Ce qui m'intéresse, c'est que ici, on génère un fichier objet. Et là, et là, je vais vous dire que je suis extrêmement choqué par le peu de considération qu'on apporte aux fichiers objets. J'en suis au point de vouloir monter la société protectrice des fichiers objets. Parce que je pense qu'on on, on, on ne comprend pas l'importance des objets. Et les objets sont importants. Qu'est-ce que c'est michelasmride.bin.o Eh ben c'est déjà du code et c'est déjà du code que peut comprendre le CPU alors il manque des trucs <laughs> mais, mais, le, le fichier objet c'est comme s'il lui manquait un peu des jambes ou quelques doigts <laughs> mais mais il est déjà il, il a envie de vivre ce fichier objet et je vais vous montrer je vais vous montrer là, maintenant, qu'un fichier objet, c'est un fichier important. C'est un fichier comme un autre. Vous allez voir. Je vais utiliser un, un outil qui s'appelle Redelf, qui permet. Il a une tête aussi. Eh oui, un fichier objet. <laughs> eh oui, <laughs> un fichier objet, Orgrim, il a un cœur qui bat. Mais il est ignoré. Et il a une tête. T'as raison, Sofiane. ReadElf, comme son nom ne l'indique pas, euh, c'est un outil qui permet de lire un fichier ELF. Et je vous le donne en mille. <laughs> et oui, un fichier, un, un fichier objet n'est pas un animal. Euh, et donc, RIDELF permet de lire un fichier au format ELF. Et donc, je disais, je vous le donne en mille, un fichier objet. Est déjà au format elf, boum, là où vous vous sentez mal, vous vous sentez mal d'avoir maltraité vos fichiers vos fichiers objets jusqu'à présent. Mais regardez, regardez, je demande le header, ok, l'entête de Michel ASM. Vous savez, Michel c'est un peu c'est un peu ce, ce, ce petit enfant qui, 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 a, qui, a petits, qui a des maladies. il va pas très bien à l'école. mais, malgré tout, regardez. il fait des choses. il fait des choses. regardez. il faut réhabiliter les fichiers objets. Euh, est-ce que objdump Obj -dump est mieux ou moins bien que ridelf? Euh, franchement, ça dépend. c'est vraiment une histoire d'habitude. Euh, tu peux faire euh, euh, là, on va utiliser objdump. Euh, ridelf on va utiliser un peu les deux. Ça, ça dépend vraiment. Enfin, c'est ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend de tes habitudes. Enfin, honnêtement. Euh, euh, alors, est-ce que vous ne voyez pas ici que ce fichier objet existe et est, et est au format elf Attends, qu'est-ce que tu me dis là Le O, c'est un F J'ai pas compris, Léa. J'ai pas compris. Euh, c'est histoire d'eau, ouais, exactement. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que euh, ce fichier, finalement, est, il est déjà au format elf, et il a déjà des trucs. En fait, il a déjà du code machine. Et c'est ça qui est important. Vous allez voir, on va s'en rendre compte. On va faire un petit xdump des familles. Donc, xdump, euh, c'est euh, bah, comme son nom l'indique. Euh, euh, un utilitaire qui dump de l'hexadécimal, donc euh, le code machine euh, du fichier binaire qu'on va lui passer en, en paramètre. Léa, en gros le point O, c'est juste la partie E du ELF. Non 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 non. On va voir. T'inquiète, t'inquiète. On y vient, on y vient. Brûlez pas les étapes. Pour l'instant, dis-toi juste, un objet, c'est déjà du code machine. Ok, c'est déjà le code. C ou assembleur, mais là je le fais en assembleur juste pour brûler les étapes et pour que ce soit plus simple. Mais le fichier O, c'est déjà du code machine. Tu vas voir, on va s'en on va, on va persuader maintenant. Donc, moins V, c'est pour afficher euh, les lignes, euh, euh, toutes les lignes, même s'il y en a qui sont pareilles. Genre, s'il y a euh, les lignes avec que des zéros, ça va mettre une étoile pour éviter de l'afficher. Moi, je veux tout afficher. Moins euh, C, c'est pour la forme canonique, donc avec euh, les, euh, les, euh, les bytes. Et euh, la représentation euh, ASCII juste à côté, moi ça j'aime bien, euh, tac tac tac, et je veux faire un exdom de Michel voilà, de l'objet, ok, bim. Et qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit un header elf, mesdames, messieurs. Eh oui, alors j'avais préparé, là, attends, où est-ce qu'il est, qu est Boom, voilà, ici. J'ai préparé ici, alors l'article le, le, Wikipédia est euh, comme d'habitude excellent. Et donc ici, on a, alors attends, où est-ce qu'il est là euh... Voilà. Magic number. Hey. It's the magic number elf. Et qu'est-ce qu'on a ici Eh bien, on a bien... Fichier Un fichier O est un fichier elf. Et on va aller plus loin que ça, regardez. Alors, je vais vous montrer des trucs. Pas tout de suite. Non, non. on va, va, va d'abord rester là-dessus. Euh, quelque part par là, on doit avoir notre code. Tiens, 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 là je vois un CD80. Vous vous rappelez euh, de la dernière fois bah Là, du coup, du coup je, vais utiliser, euh, je vais utiliser ObjDump. Vous savez, ObjDump, c'est très pratique, par exemple, pour euh, dumper de l'assembleur. Et en fait, regardez. Euh, MichelASM.o Hop On retrouve bien notre petit code assembleur qui est là. On est d'accord hein, Là, c'est le code assembleur qu'on a écrit tout à l'heure. Et vous voyez donc CD80, interruption 80, non ça c'est notre. Ça, c'est notre euh, euh, printf en quelque sorte. Enfin, c'est notre write, euh, Et puis ici, on exit. Ben là, on voit qu'on a du CD80. Non, notre code, il est déjà là. Il est déjà dans le point haut. Ok Notre code, il est déjà dans le point haut. Mais ce code-là n'est pas exécutable. Il n'est pas exécutable. Si j'essaye de faire. de bah, toute façon, il ne va pas me laisser faire ça, mais... Si j'essaie de faire ça, ce chien de carnel va me dire permission denied. Voilà, une seconde Non, non ok. Vraiment. C'est... Moi, moi ça me fait de la peine. Vous savez ce qu'on est obligé de faire dans les makefiles pour pas, pour pas que les fichiers objets se fassent deleté. Comme. Comme rien Regardez. Je sais pas si je l'ai mis là. Ah non. Ah oui putain, il faut que je le fasse parce que sinon il va me le... Ah non, il me l'a laissé, tiens. Non, c'est bizarre. Et normalement, je suis obligé de l'ajouter là, là, en pré On va dire... Non N'efface pas les fichiers .o Laisse-les vivre Mais là, il me l'a laissé... c'est bizarre, hein. Bon, peu importe, on va pas s'attendre là-dessus. En tout cas... Euh, si je fais un moins x, un plus x, bah non, ouais, enfin, je veux, je veux bien, hein. mais non, attends, je, je c'est même pas la peine. Regardez, je vous montre un truc. ridelf donc header, moi, je sais pour reader, hein. euh, de Michel euh, ASMrite point Regardez, vous, vous rappelez entry point, entry point adresse, le, l'endroit le, où va pointer EIP. Non, le, 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 le pointeur va à la prochaine exécution il vaut rien il vaut nul il est, il est... là 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 il se passe rien là il y a rien Et vous savez pourquoi parce qu'en fait ce fichier objet un fichier objet son job dans la vie c'est c'est un gras hein c'est un gras le job de fichier objet son job dans la vie c'est juste de fournir euh, des, des chunks de données qui, derrière, vont être utilisés pour être organisés de façon à ce que le noyau comprenne quoi faire avec. Waouh, 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 j'ai dit trop de trucs. J'ai dit trop de trucs. Attendez, attendez. En fait, un fichier objet, ça propose, ça, ça présente ce qu'on appelle des sections. Alors, attends, 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 là. et tout le monde suit ou pas, là Vous me dites n'importe quoi, là. Ok, c'est bon. Donc, un fichier objet. Son job dans la vie. C'est chaud C'est chaud Sérieux euh, Sérieux, Hardware Dress, c'est chaud Attends, 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 attends. Parce que là, j'ai du monde sur le, sur le bord de la route, là. Donc, ça va pas, là. Ok, je reviens. Je reviens. Un fichier objet. Qu'est-ce qu'il y a dedans Déjà, regardez, je ne peux pas faire mieux que ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans Ça. Ouais, et puis il y a la qui, qui fait euh, plus ou moins aussi, là. Donc, euh, non, 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 on va, on va revenir, on va revenir. Donc, dans un fichier objet, il y a quoi Il y a un header elf qui dit, bah, c'est un fichier elf. Il y a le code, quelque part par là, là, qui traîne. Et puis, il y a des infos. Sur lesquels on va revenir, vous inquiétez pas, Il okay, y, y, y a des données là. Bon. Ouais, c'est ça, exactement, Sofiane. On, vraiment, enfin, il faut pas vous sentir. Euh, honnêtement, euh, là, ce, 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 ce chapitre-là, il est important parce que c'est là qu'on, c'est là qu'on comprend euh, le chemin entre un fichier source et un truc qui s'exécute. Un fichier objet, c'est alors, Léa. Un fichier objet, c'est juste la concaténation des données utiles pour l'après dans le workflow. En, ouais, en quelque sorte. En fait, un fichier objet, c'est la représentation binaire. C'est le, le, le résultat de la compilation. OK euh, C'est la, la représentation binaire du code source que tu as utilisé. Donc, là... On a fait ça, Michel ASM S. La représentation binaire de ce machin-là, c'est ça. Et c'est la représentation binaire au format ELF. Ok Un header, du code, des informations. Ce que. ce que présente. Cet objet, on appelle ça des sections. Vous vous rappelez, on n'a pas arrêté de parler de sections depuis tout à l'heure. Regarde. Là, ici, euh, section data avec des trucs. Ici, euh, section texte, on a dit que c'était du code. Et eh ben regarde. Grand S comme section. Michel, merde. Michel Asm Qu'est-ce qu'on a? Des sections. Qui commence à être ordonnée. On a, par exemple, là ça va devenir clair, vous allez voir. On a la section data, celle-là, la section data, mais au format binaire, qui se trouve à 160 octets au début du fichier. Qu'est-ce qui se passe si je fais xdump donc moins V, moins C, hein, je vous dis tout à l'heure ce que c'était. Euh, donc je veux démarrer. Tiens, je vais vous montrer un truc, un truc vous savez peut-être pas là. Euh, ça c'est du... ça c'est de l'EXA. Hein. C'est de l'EXA? Bon, ouais, c'est de l'EXA. Euh, alors la section nulle, en fait, j'ai appris euh, cette semaine que ça s'appelait la sentinelle. C'est pour vérifier. Que euh, le, le, le format des sections est, est bon et qu'on a bien une section nulle au début. C'est une forme de leader, ouais. Non, 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 non c'est pas le leader elf, hein. C'est vraiment un, un marqueur. Ils appellent ça une sentinelle. Euh, donc, écho. Parce que moi, euh, l'hexadécimal de tête, j'y arrive pas tellement. Donc en fait, on fait for, euh, base 16, bim. 160. Eh, ça claque ou pas ça, hein ça je vous le fais, je vous le fais à côté là pour voir. Regardez. Hop, si je veux avoir euh, la version décimale de 160, je fais ça. Bim. Je reprends. Attends. Hop. Donc, on va démarrer à l'offset 160. Ça c'est le fichier. Eh eh Ça c'est le fichier, hein Attends, je dis ce que dit Sofiane, sentinelle au début d'un tableau et pas à la fin, la première fois que je vois, bah c'est ça, hein. non non si si, euh, la, la sentinelle c'est vraiment, euh... bah c'est, bah, tu... bah attends, regarde, si, si je ex-dump, tu vas la voir, hein. hop, regarde, il est ici là, hop là, non t'as ici là, tu vois, 0 0 0, 0, 0. tu vois, t'as le début de ton truc ici. Alors, euh, je reprends là parce que je suis en train de me, je suis en train de me, de me paumer là. Euh, tac, 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 voilà. Donc, on a nos sections plus des sections qui ont été euh, ajoutées par le compilateur. D'accord Donc, on a notre section data. Et vous allez voir. Euh, donc j'ai dit qu'elle était à 160. Voilà. Et que elle fait quelle taille elle fait 6. Ça tombe assez bien, 6. Puisque plop plus backslash n plus 0, ça fait 6. On va voir. Euh, donc n6, voilà. Et c'est michelasmride.bin.o. Euh, Tac-tac-tac, 160. Eh, regardez ça. Hein Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer là? Xdump me permet de dumper au format hexadécimal le contenu d'un fichier. Là, là je, 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 je manipule le fichier. Hein ok? Et je dis, bah voilà. Euh, à 160 Enfin, non, à, à je sais plus combien. Hein à merde, je m'en rappelle plus. 160, ça faisait combien déjà? 352 octets après le début du fichier j'ai la section data dans laquelle il y a plop alors attends showbl 44 mais la section nulle sentinelle n'est pas notée offset oui je sais je me, je me suis un peu fait baiser avec ça aussi en fait c'est euh, absolument en fait bizarrement il n'y a pas d'offset avec ça c'est juste ça dit que il y a, y a une section sentinelle nulle qui doit faire une taille euh, probablement euh, standard. Attends, je vais vérifier. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça non plus. C'est ça. Euh... Et en fait, il n'y a pas... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, en fait, euh, euh... ici, il n'y a pas... Enfin tu le sais parce que de toute façon la fin je reprends le je reprends le header, hein. toutes les informations sont euh, tu peux les réverser à partir du header. regarde ici regardez bien euh, où est-ce qu'il est, -ce qu est start of the section header, 64 alors euh, là faut pas faut pas se tromper c'est du euh, c'est du décimal ok donc la, 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 la section, enfin non, le leader le, le, section commence à, à l'octet 64. D'accord Mais la taille de ce leader, du leader elf, est de 52. D'accord Donc tu as euh, 64 moins 52 de, 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 de sentinelles. On continue. Donc là, on sait que dans cette section data, on a effectivement euh, notre chaîne de caractère. Moi, moi, personnellement, je trouve ça ouf. Hein. Moi, euh, aller euh, euh, jouer avec euh, Xdump et voir mes data qui, qui étaient dans mon code, qui se retrouvent dans un truc tru structuré, c'est quand même assez dingue. Et donc par exemple, par exemple, texte, qui est notre programme, qui est, qui est, qui est notre code purement euh, et simplement. Euh, assembleur euh, traduit en langage machine. A priori, il commence dans le fichier à l'offset 170 et il fait 22 octets. On va voir. Donc là, tac, 170 et puis il fait 22 octets. On D'accord Je vérifie. Hein. Non, non, non. Mais ça oh, ok, 170 et 22. On est d'accord avec ça et regardez ça regardez moi ça si c'est pas beau bah c'est notre code qui est là bah ouais, c'est quand même assez ouf non bon donc qu'est ce qu'on a ici? on a des informations qui nous disent bah voilà euh, euh... <laughs> Euh, merci euh, Voilà comment est structuré le code qui doit être exécuté à un moment donné par ton OS. D'accord euh, Alors là, il y a des choses un petit peu... Euh, qu on, qu on a pas, que nous, on n'a pas vraiment euh, écrites dans notre code. Ok, euh, sh estertab simtab estertab raltext. Qu'est-ce que c'est -ce que ce merdier là Et eh ben en fait, ça c'est des choses qui ont été insérées par le compilateur. Il faut comprendre que euh, une box, un, un, un ordinateur, un... Attends, qui parle à qui là Ok. Euh, en fait, des, des chaînes de caractères. Euh... Ça, ça veut rien dire pour, pour, pour un CPU on est d'accord et par contre une chaîne de caractère on peut enfin euh, ça, ça sert à, à, à bah, avoir quelque chose de concret de visible et vous voyez tout ça là, ici là dans les section header c'est quand même des chaînes de caractère hein point data point texte machin ça là faut bien le mettre quelque part ces infos là que, euh, ça s'appelle point data ça s'appelle point text ça s'appelle euh, machin et ben c'est justement dans la section header string tab vous allez voir que si je fais alors attends euh, on est à offset de 1 à 0 et ça fait 31 octets vous me suivez là hein parce qu'on est en train de. Là, on est en train de, de juste ouvrir euh, Elf euh, comme, euh, comme dans un film d'horreur, quoi. Le, le pauvre. Donc là, si je fais Donc, euh, 1 à 0, c'est bien, bien ça. Hein. Au... À partir du début du fichier à l'offset 1 à 0, il y a 31 caractères qui représentent. Ah merde, attends. Non, si, c'est bon. Qui représente Tous ces noms-là. Data, texte, SH et Astertable, SimTab, tout est là. Euh, il m'en manque là. Ah mais oui, mais parce que oui, mais parce que c'est pas 31. Ah eh oui, mais pareil, tout à l'heure, il me manquait du code là. Ah eh oui, mais attendez, 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 regardez. Euh, attends, j'ai fait de la merde là, regardez. Ici, euh... attends, non, ça c'est bon. Par contre, là, là, c'était pas 22. 0x22. Il me dis bien qu'il manquait un CD80. Je reviens sur le sur la section texte. Donc tac. écho de. Base 16. 22 voilà là il est complet voilà voilà donc ça. Nia 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 c'est les... ça c'est le write. Et ça c'est l'exit. Et là c'est pareil. C'est pas 31. Je, je vous lis juste après, hein, parce que ça se trouve, vous avez rien bidé à, à ce que je viens de faire là. Euh, echo. Tac, tac. Euh, donc on a dit base 16. Et on a dit que c'était combien 31. Voilà, là il y a tout. Data, texte, SIM tab, SIMTAB, tab, machin. Alors on va y voir. Ah ouais, ça y est, ça y est, ça y est, je vous ai paumé là. Allez, je m'en doutais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors. Je reviens. Ah, bah oui, c'est clair. MaxDump, c'est une saloperie hein, en fait. Hein, de... Alors, on y va. Je reprends le header de notre fichier objet. Ça, ça représente simplement le fait qu'un fichier objet n'est rien de plus qu'un fichier elf auquel il manque des bouts. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est que dans un fichier objet, on a des sections. Ces sections commencent à l'octet 64. Je vous réponds après. Je print à l'écran les sections qui composent le fichier objet. On a data, on a texte, on a machin, etc. Pour afficher tout ça, pour afficher à l'écran data, texte, SH, euh, STRTAB, SIMTAB, machin, vous comprenez bien que c'est pas hardcodé. Sérieux, je peux faire euh, "-s0x"? Je vais essayer juste après. Euh, vous comprenez bien que ces noms-là, ils sont pas hardcodés dans Redelf. Ah putain, j'ai complètement oublié la, la, la page avec toutes les questions. Ça se trouve, il y a 2000 questions depuis tout à l'heure. Ah ouais. Bon, bah je, vais, je reviens sur les questions juste après. Euh, Redelf. Vous comprenez bien qu'on hardcode pas toutes les sections dans Redelf. En fait, il y a des références à ces noms dans une section qui s'appelle la Section Header String Tab dans laquelle il y a tous ces noms-là. Ok Data, texte, machin, etc. Et en fait, dans chaque section, il y a un index qui permet de retrouver son nom dans cette table. Ok Et en l'occurrence... Attends, tu sais quoi Je vais essayer le... ce que tu as dit, euh, Azram. Là. Donc si je fais... Euh, ça marche, ça Si je fais 0x ici 0x160 Enfin, 0x... 160, 1 à 0 et moins n 0 x 31. C'est ça que tu me dis hein? Euh ouais. Alors ça, ça a l'air de moyen marché hein. <laughs> ah pas pour le moins n. D'accord. Attends. Alors attends. On y va. Écho. Ouf. Pouf. Pouf. Et pouf. Donc 16. Ah putain, ça marche! Ah, c'est cool ça! Bah, c'est quand même con qu'il est pas fait pour le moyen, non? Bon, bah, ok. Euh... Merci AZ. Euh. Ouais, c'est alors, exactement, HardwareDAS. Euh, Dans le code, il y a juste Data et Text. Ok, c'est ce code-là, hein. Ni plus ni moins. Michel, euh, ASM, non point MichelASM... S. Ok, nous, on a déclaré ces deux sections-là. Mais après il va y avoir... Enfin, le, le, ce qu'on va, qu va voir juste après, le linker, il va avoir besoin de plus d'infos pour faire un exécutable. Et vous allez voir pourquoi. Alors, je vais essayer de répondre aux questions là, parce qu'il y en a plein qui se sont empilés. Mais du coup, quand il move 0 x Et oui, exactement, il le cuyait. En fait, le move 0x, euh, euh, 0x0 dans ECX, ça ne marche pas. Justement, c'est ce qu'on va voir juste maintenant. C'est une très bonne question, tu vois. Euh, logiquement on a le même résultat avec n'importe quel langage, oui, tout à fait. Comment il trouve cette section particulière? Euh, pour Orgrim, le, 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 la section, en fait, il y a un index dans chaque euh, dans, dans, dans chaque section, il y a un index pour retrouver son nom dans les tabs euh, qui lui correspondent. Franchement, je voulais faire un, un deep in de chaque octet machin, mais c'est parce qu'on va en avoir pour des plombes et des plombes et des plombes. Il y a. Moi, je vous, je vous conseille un truc. Tiens, je l'ai là, là. Je vais vous le mettre sur le chat. Boom. Je vous conseille un truc. Il y a ce fichier-là. C'est un SVG, là. Je vais vous le pester hein, sur le chat. Bim. Voilà. Ce fichier-là, en fait, fait les correspondances. Enfin, il vous montre visuellement les correspondances et comment on retrouve euh, nos petits dans un fichier ELF. Je reviens. Tac. Il euh, est. Avant de voir le fixe arriver dans une distro, j'ai fixé top l'an dernier. Non, 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 non. Ok. Euh, ouais ouais non il, est, il est, ce, 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 ce ce schéma là il est absolument phénoménal il manque des petits trucs je trouve qu'il y, y a des petites choses perfectibles euh, mais c'est c'est un c'est un, bon, euh, un très très bon support euh, donc où j'en suis j'en suis là donc là dedans là on a euh, voilà c'est non là et donc Léa pour te répondre non en fait Là, ça s'appelle comme ça, mais ça pourrait s'appeler autrement. Ça pourrait parfaitement s'appeler autrement. Okay donc, on a une table dans laquelle on a le nom des sections, le nom ASCII, okay pour pouvoir s'y retrouver. On a également une table des symboles, on va y revenir tout à l'heure, et une table des strings qui existent, donc on va regarder. Euh, tac, 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 elle est à 240. Attends, c'est cool, ça, AZ de m'avoir filé ça, là. Et elle fait un b de long. Un b Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce qu'il y a dans cette strtable table Eh bien, il y a les, il y a, il y a les, euh, les noms ASCII des choses qui pourraient nous intéresser. Notamment le nom du fichier source. michelasmride.s qui pourrait par exemple servir à un débugger. Et surtout, surtout, le nom de la fonction qu'on a exportée. Start. Vous vous rappelez, je vous ai dit, euh, vous allez voir que global start, ça a, ça a un, un, un rôle particulier. Et ouais. Parce que ça, on veut l'exporter. On, on veut que ce soit visible. Ok on veut que ce soit visible, on veut que ce soit un symbole, on veut que ce soit quelque chose qui puisse être vu. Et on a en particulier euh, un switch de ridelf qui est moins petit S à ne pas confondre avec moins grand S, qui montre les symboles. Euh, tiens, je vais, le, je vais le faire plus simple que ça. Je, je vais utiliser NM. NM, si vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est juste un tout petit outil qui montre les symboles. Euh, qui existe dans un, euh, dans un fichier. Et bah, dans ce fichier objet, on a des symboles. On a en particulier Start. Et S. Vous savez, S c'est notre string, c'est notre, euh, notre chaîne de caractères Ces symboles, regardez bien. Regardez bien parce que c'est là que ça devient cool. Regardez là. Qu'est-ce qu'on a Bah on n'a pas d'adresse associée à ces symboles. Bah non Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est compiler. On a un fichier objet avec une représentation binaire du code qu'on a écrit, mais par contre, on n'a pas de notion d'emplacement en mémoire ou quoi que ce soit. Qui est-ce qui fait ça Qui est-ce qui fait que ces sections... Il reste des sections. Ah ouais. Euh, comment trouve ça un... Du coup, toutes les sections ne sont pas présentes dans tous les points hauts, non. Toutes les sections ne sont pas forcément présentes dans tous les points hauts. Oh. Yastromo, tu as la bonne réponse, je, te, je, 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 je te dis juste après. Euh, si je résume, dans notre code, il y a juste data et texte. Bon, ça, ça, ça j'y ai répondu. C'est absolument Jean-Claude Linker. Mais oui, c'est le Linker. C'est absolument le Linker. Et là, on rebranche avec notre. Le, le, je pense, le, le schéma que je vous ai montré le plus souvent, qui est. Celui-là. Ici, le job du linker, c'est de s'assurer de mettre les trucs aux bonnes adresses. Non, Monique n'a rien à voir là-dedans. Monique, elle elle, elle, elle... elle donne cet espace d'adressage. Monique, c'est la MMU. C'est la Memory Management Unit. Elle n'a elle pas conscience de, de, de tous ces trucs-là. OK C'est vraiment le kernel qui fait tout ça. Alors, une seconde, tac. Maintenant, représentez-vous bien le truc. On a des objets qui ont euh, des sections qui globalement décrivent comment un code doit fonctionner. Ok Attends, attends, j'arrive, judge, j'arrive. Mais ces, ces, ces codes objets n'ont pas de notion euh, d'adresse, n'ont pas de notion de, de, de zone de mémoire, etc., etc. En fait, le logiciel qui, qui, qui comprend ça, c'est effectivement le linker. Alors, le linker, son job dans la vie, c'est d'organiser un fichier qui va être exécutable, qui va être interprété par euh, le kernel, encore lui, mais avec des informations qui vont caler avec l'organisation de la mémoire. Où est-ce qu'on cale les trucs Où est-ce qu'on cale les trucs dans les zones de mémoire qui vont être à notre disposition C'est ça le job du linker. Le linker, en fait, euh, sous euh, Linux et plein d'autres plateformes, il s'appelle LD. Ok Le linker, il s'appelle LD. Et. Son job, ça va être de mettre aux bons endroits les sections dont on a parlé tout à l'heure. Dont, dont ok Regardez bien. Si je fais la même chose qu'on a fait. Donc, xdump. -V -C de Michel ASM Wright. Et cette fois, je prends le fichier exécutable. On devrait avoir quelque chose de relativement similaire. Mais non. Parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi à la fin, on se retrouve. Vous voyez, il y a, il y a notre, notre, notre header elf, il est là. Et puis on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. non, 6, 7, 8, 9. Et là, dans B, C, D, E, F. Et là, normalement. Non, Alors, attends, tu, hop, encore un. Voilà. Et là, à 1000, qu'est-ce qu'on a On a notre code. Et puis, 1000 plus bas, on a, à 2000, notre data. Qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que le fuck Qu'est-ce qui s'est passé Attends, je vérifie juste que j'ai pas des, des questions en suspens. Non, c'est bon, j'ai été à tout le monde. Euh, je pense que j'ai répondu à Orgrim. C'est parce que je peux, peux pas. Euh, franchement, pour. pour euh, c'est un jeu de piste, le, 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 le fait de retrouver les noms qui, qui correspondent à une section particulière, c'est vraiment un jeu de piste. C'est-à-dire, faut euh, aller dans la section, voir euh, le membre de la structure qui correspond. Euh, machin. Je, je vous montre, je vous montre trois secondes. Regardez, euh, tac. L'article, pour info, l'article de, de, de Wikipédia est super, hein, comme d'hab. Donc, ici, là c'est ça qui est, non bon ça c'est le ça c'est le leader elf hein, avec toutes les infos toutes les informations qui correspondent au Header elf et donc moi ce qui nous, nous ce qui nous intéresse c'est voilà le section leader ici et en fait ici bah par exemple tu vois euh, donc là je réponds à Orgrim qui me demandait comment il fait pour trouver le nom de la section etc bah tu vois regarde le premier membre du section leader c'est un 97 du string dans, dans SH et tab machin, qui va lui donner son nom. Okay et c'est que ça. C'est absolument un jeu de piste. Donc, c'est un peu chiant à faire. Euh, je me disais que ça allait pas être super drôle euh, dans, dans, dans le live. Donc, euh, je, vous laisse, je vous laisse jouer avec le jeu de piste. Le jeu de piste est en particulier ça, qui, qui, le, qui le représente très, très bien. OK On revient. Donc, que fait LD quel est le job de LD Eh bien, le job de LD, il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Mais, en particulier, LD va spreader les informations qui viennent de un ou plusieurs fichiers objets et les caler dans une image qui est chargeable en mémoire. OK Je relis un petit peu ce que vous, ce que vous dites là. Donc, non, 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 non. C'est une bibliothèque. Non, 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 ok. Le part des symboles vers même le... Ok. Bon, bah, c'est cool. Euh, c'est cool, z de, de répondre aux gens. Ça me. Facilite la tâche. Euh, ah, ah, je scrolle le pas de là. Où j'en suis là. Euh, linker. Mais non, là. Alors, alors. Judge. Pour l'instant. Je répète. Je travaille sur une architecture 32 bits sans aucun mécanisme, aucun mécanisme de sécurité donc je travaille pas avec des adresses relatives je vais travailler avec des adresses euh, absolues ok on va avoir des adresses absolues euh, Léa c'est quoi alors du coup bah euh, euh, je pense que ah, désolé pour les bruits de chien je vais fermer la porte j'arrive Ça commence à être euh, répétitif cette histoire. Euh, donc ok pour TT, &T, euh, pour la différence entre TT, &T, euh, un bibliothécaire en quelque sorte le linker. Euh, Est-ce que c'est un bibliothécaire le linker Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vous allez voir. Je vais vous expliquer. Euh, donc... J'ai des sections qui me sont présentées par mes fichiers objets. D'accord Le fichier exécutable, lui, je regarde l'heure, hein, il est 22h19. Je vais essayer de, je vais essayer de tenir le, de tenir le, le timing. Euh, pas d'une heure, évidemment. Le linker, lui, il va me produire un fichier, donc exécutable, dans lequel il va y avoir un autre type. D Informations qui sont les programmes leader. Et ça, ça se voit avec le flag L, L comme programme leader. Ouais, demandez pas. Michel ASM BIN. Et si vous voyez, je suis bien, ouais. En fait, là, on a des adresses réelles. Dans cette section, enfin dans, dans, ce, dans, dans ces informations là, on a les adresses dans lesquelles vont être chargées par exemple cette partie et les sections sont aussi là. Hein. On a aussi des sections dans, euh, comme on n'a pas stripé, j'en parlerai après. Euh, nos sections sont toujours là, mais le linker a fait son job. Le linker a fait son job. Regardez, il a placé les éléments par rapport à ce qu'on appelle la VMA, donc la Virtual Memory Area euh, qu'il a à disposition. Et par exemple, là, il définit que texte, il est là, que data, il est là, ok. Et lorsque euh, le linker met en place les euh, programmes headers, qui plus tard vont être lus par le noyau, on va y revenir. Eh ben, on dit voilà, tu vas pouvoir loader tout ça qui sont à ces adresses là d'accord je vais y aller on, on, on va on va prendre un, un, on va faire un, un, un petit détour et on va parler un peu plus présent un peu plus précisément du linker donc là c'est juste pour euh, un, un petit apéritif pour la suite ok mais on, on va revenir dessus donc ce que je suis en train de vous dire c'est que le linker il lit les fichiers objets et il les met au bon endroit de la mémoire dans, enfin, en tout cas, il inscrit dans un fichier exécutable à quel endroit de la mémoire ces éléments vont devoir être chargés. Ok, je lis. Hein. Euh, ok, ok. LD, donc le linker. Comment il prend ses décisions, à votre avis Parce que on a cette on a ceux ce ou ces fichiers objets dans lesquels il n'y a pas, euh, pas d'adresse, parce qu'on ne sait pas, on a, on a juste produit euh, du, du, du binaire, et maintenant on attend euh, de le positionner quelque part en mémoire. Comment le linker sait comment il doit positionner, regardez bien, comment il doit positionner ici les éléments, qui, sont, qui lui sont fournis par les sections. Le truc, il n'est pas devin. Hein. Alors, joli ce que vous dites. Hein. En fonction de la taille des sections, hein. Alors, vous allez peut-être un peu halluciner. Mais en fait, tout ça, le fait de placer les bouts de code, le fait de placer la data, le fait de placer euh, les informations. Je te réponds juste après, Léa. Euh, dans l'espace mémoire qui est alloué au processus, eh ben c'est plus ou moins hardcodé, en fait. Ouais, c'est assez chum, ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous le prouver. Regardez. LD Oui, c'est assez décevant. LD, je le rappelle, son job c'est de produire un exécutable. Et il a des règles, LD. Et ces règles se visualisent avec LD moins moins, verbose. Non, verbose. Et bim. On appelle ça un script, un linker script. Et en fait, LD, bah, il a tout un tas de règles. Qui lui disent, bah voilà, euh, euh, quand tu vois une section XY, tu la mets là. Euh, quand tu mets. Tiens, on va, on va chercher la, la, section exact, euh, la section texte plutôt. Ah merde. Ah oui, non, il me fait, fait la merde. Attends, bouge pas, je vais le faire avec les. Hop, voilà. Euh, Tadada. Euh, attends, bouge pas, je vais essayer de trouver. Euh... Voilà, donc par exemple, non, bouge pas, LData, BSS, le BSS il est là, tu vas le mettre là, euh, tac tac. Bon, après, c'est un, un LD récent, hein. donc il y a, y a des choses euh, qui sont un, un petit peu plus succès dans, que, que dans les anciens LD. Mais c'est simplement pour vous montrer que ben LD, le linker, ben, c'est juste. Un script qui va placer des trucs fonction euh, bah, de définition qu on, qu on, qui se trouve dans, dans, le, dans, le, dans les packages binutils euh, pour ordonner les éléments qui sont euh, produits par les objets en mémoire pour pouvoir les retrouver et pour pouvoir les exécuter. Et je vous. Ouais, ça, ça c'est un script, euh, euh, un script euh, euh, LD assez compliqué. D'accord Mais on peut faire... Donc là, attends, bouge pas. Euh, Michel. ASMRite S. On peut faire un truc beaucoup plus simple. Hein. Euh, alors je ne sais pas, oui. Je ne sais pas si euh, le LD de Slackware autorise le moment verbose. Je vais voir. Oh. Voilà. Alors il est... Il est un petit peu plus simple, mais pas non plus. Euh... Vous voyez par exemple il y a un truc intéressant dans, dans, le, dans le script LD de la Slackware, c'est que il y a des adresses hardcodées. Et en fait, c'est pas le cas dans le LD script des, des strips récentes. On, on y reviendra largement là-dessus. Oui, il est beaucoup plus court. Hein. Ok. Mais moi, ce que je vous propose, c'est. Alors, je ne sais pas écrire des scripts LD euh, par cœur, soyons clair. Mais. Je sais copier-coller. <laughs> euh, et on va, faire, on va faire deux trucs. Le premier, donc là. Si, euh, je, si je reviens sur euh, un RIDELF euh, des sections. De, du, du fichier exécutable vous voyez que euh, tout a été placé au bon endroit donc on a texte qui est à euh, 804 euh, 9000 on a data qui est à 84 euh, 804 nan, nan. bref tout a déjà été placé d'accord mais en fait c'est placé par euh, c'est placé par euh, le linker et par le script euh, du linker mais en fait, on peut fournir un script nous-mêmes. Alors, je vais, je vais cut paste hein, comme un gros sagouin. Un truc que j'ai fait cet après-midi. Hop. Je dis que à l'adresse 0x10000, je veux le code. Et à l'adresse 0 x millions, c'est ça 8 millions je veux data et BSS. Ok et alors là, alors attendez, parce que j'ai n'ai plus la syntaxe par cœur. Da 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 da, où est-ce qu'il est, -ce qu est Ouais, c'est ça. Donc ça va être LD moins. Euh, alors mlf. ok, ça, d'accord. I386. Je crois que c'est moins t j'ai appelé ça simple.ld. Euh, et c'est Michel ASM .bin .o. Voilà. Donc là, j'ai créé un exécutable. Ah mais attends, je n'ai pas, pas dit comment il s'appelait. ⁇ O. Michel simple.bin Donc là, j'ai créé un exécutable, michelsmwrite.bin. Est-ce qu'il marche Merde. Il marche. Et par contre, regardez. Regardez. J'ai modifié l'adresse où il y a le code et j'ai modifié l'adresse où il y a data. C'est chambé, non cest que c'est juste pour vous montrer que l'endroit de la mémoire où se trouvent euh, le, 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 les datas, le code, le machin, en fait, c'est modifiable. Vous avez la main dessus. D'ailleurs, le kernel, lorsque vous buildez un kernel, en fait, vous euh, le... le, le, le euh, la compilation, machin. Il y a, y, a, y a un moins t. Euh, je sais plus. Euh, je sais plus quelle l'adresse, Mais euh, l'adresse du, du point texte n'est pas au même endroit qu'un qu exécutable classique. Ok. Donc je vais remettre. Ah ouais, non si. Attendez. On va faire un truc. LD. On a, on a la main sur plein de trucs dans LD, puisque dans LD on a la main sur euh, comment ce, ce, cet exécutable est exécuté ben, Quels sont les différents paramètres euh, qui font que c'est un exécutable Eh bien, il y en a un. Vous vous rappelez On, on, on a dit depuis euh, super longtemps que il euh, y a beaucoup de mensonges dans Unix. Et entre autres, que euh, on vous raconte depuis la nuit des temps que euh, le point d'entrée d'un programme c'est euh, main, alors qu'en fait on a vu depuis longtemps que c'est start. Mais regardez-moi ça. Je peux faire ça et changer le nom du point d'entrée. Regardez, si je refais ça, donc je reprends mon, mon script LD1. Hein. Euh, dis donc, Tocard, euh, j'ai pas de symbole main. Attends, Léa, c'est à dire que data et texte ne sont pas forcément au même endroit si tu fais ton propre elf Attention, 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 tu fais pas ton propre elf format. Soyons clairs, le format elf, c'est le format elf. Le format elf décrit des sections où tu associes des adresses, etc. etc. Tu définis ton script LD dans lequel tu peux potentiellement mettre tes choses à des endroits différents. À des endroits différents, pardon. Et donc, qu'un va va chercher l'endroit. Tu... L'endroit où se trouve euh, texte et data est donné par les sections et par les euh, euh, par les segments dont, dont, dont on va parler tout à l'heure. Okay C'est pas, pas les adresses fixes, en fait. Tu as ces informations en interrogeant ELF. Ah, apparemment il y a des, des, des questions dans le pad que j'ai oulala là là, oulala là là, oulala là là. alors c'est quoi la différence entre virt adresse euh, et physical adresse, il y a des plateformes dans lesquelles euh, on accède la mémoire euh, physique directement ok c'est pas notre cas, donc dans 99% des cas vous allez toujours voir euh, virtual adresse égale physical adresse euh, donc il découpe les objets pour grouper ce qui va ensemble les binaires, oui hors tout à fait, en fait c'est justement un des gros intérêts c'est que euh, lorsque tu compiles un soft, tes objets, tu ne tu les, les compiles pas euh, euh, tous à la fois. Tu, tu les compiles un par un, même si tu as du multi-CPU machin. Et à la fin, ces objets, ils ont tous leur section data, leur section texte, etc. etc. et il va falloir pff, les, les regrouper. C'est un des jobs de LD. Et justement, comme il comme, comme y a plein de sections data et plein de sections texte, euh, bah on ne sait pas forcément où elles vont être en mémoire. C'est le job de LD de replacer tout ça, on appelle ça la relocation, euh, de dire, bah voilà, bah finalement, euh, euh, data euh, de ce truc-là, il va être à cet endroit, etc. C'est etc. Euh, quoi le langage de LD Aucune idée. C'est un truc euh, totalement propriétaire de GNU, euh, je, enfin propriétaire et GNU, ça ne va pas vraiment ensemble, mais c'est un truc à eux, je ne sais absolument pas. J'ai rarement fait hein, de, 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 de script LD. Hein, donc, euh, euh, tac, tac, tac. Euh, non, tu peux pas... Alors, je vais revenir là-dessus, hein, Léa. Tu ne tu fais, fais pas ton propre format elf, attention. Le format est le format. Euh, tout ce que tu as changé ici, c'est les adresses où étaient présentes les informations. En fait, ça peut être, ça, ça peut être un bordel sans nom, hein, le, le, le format elf. Tu peux mettre tes trucs où tu veux. Tu ne modifies pas le format elf. Tu modifies l'adresse où se trouvent les choses. Et ça, de toute façon, tu peux les retrouver puisque euh, euh, le, le, le format elf, pour le coup, standard, te permet d'aller interroger les différentes sections qui vont te dire bah, où je suis. La preuve, c'est que quand tu fais euh, un read elf du point O, à la base, elles sont nulle part puisque le linker n'a pas encore placé euh, les, euh, les, différents, euh, les différents objets là où ils doivent être, il être. Yastromo, c'est la question que je me posais sur les autres OS, quelles sont les différences fondamentales niveau script LD par rapport à Linux Pff, euh, Je ne sais pas. Alors là, pour le coup, euh, je ne sais pas et je ne sais même pas si ça utilise la même méthode. Euh, comme il y en a 8 millions de programmes en plus de RAM, je ne comprends pas la question de Ilecuyer. Mais comme il est à 8 millions, le programme prend plus de RAM. Quand c'est plus petit l'adresse. Ah oui ok, je vois ce que tu veux dire. Bah euh, oui parce qu'en fait tu es en train de monter bah, ta section data. Euh, à la fin tu la tu, tu la positionnes euh, dans ton espace d'adressage. Tu vas potentiellement foutre le bordel dans euh, dans euh, euh, bah, euh, l'allocation mémoire de la heap, l'allocation de, de, de mémoire de la stack, etc. Euh, honnêtement, il vaut mieux laisser faire euh, le script de base. Hein. Ok, Yastromo, est-ce qu'il y a des applications spécifiques où customiser son LD est intéressant Oui, il y a des cas spécifiques Yastromo dans lesquels customiser son LD est intéressant. En particulier, dans l'embarqué. Par exemple, tu pourrais avoir euh, un, un, un board dans lequel tu as de la ROM, par exemple, ou en tout cas une, une zone mémoire particulière avec une vitesse particulière. Dans lequel tu voudrais absolument avoir ta, sec ta section texte C'est vachement important ça, c'est vachement intéressant comme, euh, comme question, ça y est, Stromo. Euh, parce que, tu vois, imagine tu as un board avec euh, pas beaucoup de, pas beaucoup de, de, de mémoire, mais euh, des, tu vois, t'as pas voulu payer cher euh, euh, la partie euh, euh, la plus rapide de la mémoire, puis t'as une partie un peu un enfin peu, un peu, euh, rapide donc, où tu veux avoir les instructions, puis une autre partie. Ou tu veux plutôt avoir des trucs stockés mais accéder moins, moins fréquemment. Et ben là tu vas pouvoir jouer avec ça, avec ton script LD. Parce que tu vas, tu vas dire voilà, data ça va être là, Texte, ça va être là, parce que je veux que ce, ce soit plus rapide, etc. Ok. Euh, donc Léa, j'ai bien compris pour la différence propre au format, c'est juste que j'avais pas d'autres noms. Ok, d'accord. Ça roule. Ok, donc où on en est parce que là, Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. J'étais en train de. J'étais en train de magouiller euh, le, le, le point d'entrée. Donc regardez. Donc là. Donc là, là, je me fais insulter là. Il euh, y, 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 y a, rien. Enfin, euh, comment ça main Il y a, y a, pas, il pas de main dans mon, dans mon code. bah ouais, parce que j'ai appelé start parce que moi je suis un, je suis quelqu'un de bien, je suis les standards. Mais regardez, alors hein, Michel ASM.S. Si je change maintenant, tiens, hop. Non, fais pas de bêtises, là. S. Start. Main. Et là maintenant, je rebuild. Euh. De, 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 C'était quoi C'était NASM SM. Non. Non plus. Ah non, j'avais fait un mec. Euh, Michel ASMWrite.bin. Euh. Ah bah oui bah ben oui 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 euh, LD il est pas content parce que je, lui il utilise son, son, son script par défaut donc euh, il trouve pas il trouve plus de symboles start maintenant mais moi maintenant hop Hop là Et là Alors que j'ai plus de symbol start que je l'ai renommé main Normalement Plop Et voilà Ok Donc on a absolument la main sur euh, beaucoup beaucoup d'éléments de base De nos objets, donc je, vais, je vais le renommer start parce qu'on on va faire des trucs euh, après. Euh, start. Voilà. Euh, donc tac tac tac. Ok. Donc là, on a vraiment. Enfin voilà, euh, on, on, vient, on vient purement et simplement de changer le nom de l'entry point euh, en main au lieu de start. Voilà. Euh, ok. Jusque là, à partir de là, enfin, de, 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 jusqu'à maintenant, est-ce qu'on est, qu est, est, qu est d'accord sur tout ce qu'on vient de faire Alors, on, on a vu pas mal de trucs. C'était un petit peu, euh, euh, c'était un petit peu euh, euh, désordonné par moment parce qu'il y avait beaucoup de questions et tout et tout. Ce que je comprends. Euh, deux questions en repas que j'ai oubliées. Alors, on a moins de chances de faire des stack overflow en, en tassant les autres sections. Ah. En fait, parce que je vais essayer de ne pas spoil les autres épisodes, en fait, tu as moins de chances de faire des stack overflow en ne pouvant pas prévoir le positionnement de ta stack. Et là, c'est un gros spoiler et on verra ça une prochaine fois. Voilà. Euh, Orgrim, en changeant entry point avec le LSC, on peut bypasser la lipc sur michel.c. Absolument, ça va foutre un bordel pas possible, mais tu peux absolument bypasser euh, la lipc et dire que ton entry point c'est main, et là tu vas foutre le bordel. Euh, tu peux remonter le code Oui, bien sûr, je peux remonter le code. Hop. Donc ce que j'avais fait. Ah, Qu'est-ce que tu fais alors, moi je, suis, moi je suis comme ça, je passe en majuscule et tout. Voilà, donc ça c'est le code de base. Donc je rappelle syscall euh, qui affiche euh, plop à l'écran et syscall qui fait un exit. Et de ce que j'avais fait en fait, c'est que j'ai changé ici global start main et ici j'ai changé start en main. D'accord Ouais, ça, je spoil euh, sur PE, PIC, etc. Mais, mais et encore, mais, en, et sur ASLR et tout. Donc, pour l'instant, on va pas parler de ça. C'est pour ça, hein, je redis, je reste. On m'a souvent demandé, ouais, pourquoi tu te fais chier avec, à faire du 32 bits et tout, machin Parce qu'en fait, je pense que une, une, une bonne façon d'apprendre tous ces trucs-là, c'est de démarrer avec ce qu'on faisait et, et de comprendre petit à petit quelles, sont les, quelles ont été les méthodes, les mitigations, les trucs qui ont été. Euh, ajouté au, au fur et à mesure. Euh, ok. Alors, LD Prélo, on va pas en parler maintenant. On va pas en parler maintenant. Euh, on ne va pas parler du dynamique aujourd'hui parce que je pense qu'on bah, est déjà complètement off-limite. Euh, off euh, là, je vais vous montrer un truc hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que le linker a ordonné... Oh, par contre, attends, je vais juste... Euh... Ouais, je vais juste refaire le binaire parce que je pense qu'on a foutu tellement le bordel. Voilà, euh... voilà. Donc, on a vu que le linker, donc LD, a mis les choses à leur place. Okay si je regarde les sections de Michel ASMRAID.bin, on a des adresses qui correspondent à quelque chose. Proc bits, c'est les trucs qui vont pouvoir être chargés par le kernel. Et en fait, le kernel, lui, ne regarde pas les sections. Les sections n'ont d'objectif que de donner des informations au linker, à LD. OK Les sections servent à produire le binaire. Les sections servent à LD. Et LD, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les choses intéressantes qui lui sont fournies par les sections. Et il indique dans le binaire un truc qu'on appelle les segments. Et les segments, c'est ça. Ces segments représentent les informations que le kernel va lire. Le kernel, je redis, hein, se fout de ça. Il se fout des sections. Le kernel va lire ça. Et je vais vous en donner la preuve tout de suite. On va revenir sur un bout de code qu'on a vu des milliards de fois. usr, src, linux, fs, binfmt, Et là, vous allez voir toute la magie se mettre en branle. Hop, attends, où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce qu'on est Lullets, mais voilà. Attends, c'est 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 Attends, je retrouve. C'est le Shit, you. Attends, static, c'est si, ainsi là. pas de zéro. Ok, oh, non, c'est ça. Je cherche mon fort là. Ah, mais non, pas library, je fais n'importe quoi là. J'arrive, j'arrive. Hein. Voilà. Ok. Alors, on a ici des informations sur les éléments qui sont chargeables, l'adresse à laquelle ils doivent être chargés, et le type de euh, segment auquel on a affaire. Est-ce qu'il est en lecture seule Est-ce qu'il est en lecture et en écriture Est-ce qu'il est, est, qu est en lecture et écriture Ici, lecture et exécution, je pense qu'on peut raisonnablement se dire que ici on a texte. Je pense. Ça, c'est les adresses mémoire à laquelle, auxquelles euh, ces segments vont être chargés. Et en fait, que fait le noyau Le noyau, il va lire ce fichier. Il va lire le fichier exécutable, d'accord Vous suivez, hein Il va lire le fichier exécutable et il va loop, il va faire une boucle. Non, attends, je vais pas prendre celle-là, parce que celle-là va pas, on va en parler une autre fois. Voilà. Il va faire une boucle. Où est-ce que tu es Voilà. Donc on est dans le code du noyau. Là. Il va faire une boucle sur tous les headers du fichier. Et lorsque il tombe sur un, sur un, sur un segment de type load, et ben il va le charger. D'accord Il va le charger et il va le mettre dans une zone mémoire qu'on appelle Virtual Memory Area. Et qu'est-ce qu'on a quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on a quand on load le segment ici qui a été défini par le linker? Qu'est-ce qu'on a quand il est loadé? Eh bah, on a quelque chose dans. Proc self. On, bon alors là c'est un peu compliqué parce que c'est euh, euh, un truc 64 bits, euh, Linux récent, etc. Je vais le faire. Euh, euh, tiens, je vais, le faire, je vais le faire au GDB. C'est un peu n'importe quoi, mais on va le faire comme ça. Bougez pas. GDB, Michel, ASM, BIN. Voilà. On va mettre notre breakpoint à start. On va run. Bon, on s'en fout, on va, pas le, on va pas le faire tourner là. Là, tout ce qu'on veut, c'est ça. Euh, info, euh, proc, voilà. Vous voyez ça Hop Qu'est-ce que c'est que ça Bah ben ça C'est nos segments qui ont été loadés. Ok Regardez, je vais, passer en, je vais passer en shell juste pour faire un cat rock du PID et de Maps. C'est la même chose, hein Regardez. Pouf, nia 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 nia, 80, 48, tatata. Ta, ta. Donc ça, c'est probablement euh, euh, point texte. Et ça, bah c'est probablement data. Et voilà. Moi, je trouve ça assez magnifique. Ouais, si, juste pour se pour, pour ce, pour ce prouver, hein, regardez. Si je regarde encore une fois les segments de euh, Michel S. Wright. on a bien les adresses qui correspondent là. Oh, je suis où là ah. 804 machin. Ah, on, est bien dans les mêmes, on est bien dans les mêmes segments. Alors, data et X, oui, parce que euh, par défaut, euh, dans ce que je fais là, euh, je suis en exec stack euh, Je suis en moins Z exec stack C'est-à-dire que euh, je mets tout en exec parce que on, on faisait des euh oh le, 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 Je suis en train de me faire raider par 42 personnes euh, C'est con on a fini <laughs> euh, Donc oui oui par défaut je mets tout en je mets tout en exécutable euh, Parce que bah, du coup dans les épisodes précédents euh, on a fait les vilains euh, salut à tous les nouveaux. Mais c'est con parce qu'on on, on est en train de finir. <laughs> oh la vache 91. Merde. Non mais, euh, mais, euh, mais bienvenue, mais bienvenue à tous. C'est un truc de ouf là. Merci Yves. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, donc, on voit bien la correspondance entre les segments qui ont été produits. Par le linker et bah, le processus, il a effectivement été chargé en mémoire euh, et bah, tout prend tout, tout prend son sens. Euh, on a euh, on a finalement euh, défini euh, des adresses euh, qu'on aurait pu euh, vous avez vu hein, qu'on aurait pu euh, modifier à la mano hein. Euh, et voilà, notre, esp notre espace d'adressage euh, est, est, est défini. Si je vous montre un truc quand même, regardez. Juste pour juste pour pas dire que, que c'est juste euh, de la théorie, etc. Euh, donc j'ai loadé, euh, loadé euh, Michel Wright ASM. Euh, et puis je vais donc remettre mon breakpoint à start. Voilà. Donc mon breakpoint est là. Et regardez. Si je regarde ce qui se passe ici, donc x de... Et je veux, je veux voir combien, je veux voir 94 bytes. A votre avis, qu'est-ce que je vais voir ici Qu'est-ce que je vais voir dans ce segment on a, on a trois segments là. Ici, on sait que c'est le code qui est là. Ici, on sait que c'est data. Et on sait que c'est data, entre autres, parce que ça fait euh, 6 octets et qu'on sait que euh, plop backslash n0 ça fait 6 octets. Hop code texte, non. Allez. 94 bytes. Enfin, 94 en file size. À cette adresse, qu'est-ce que c'est Ah oh merde, ils m'ont chier. Attends. Attends, attends. Attends, attends. Donc ça, on est d'accord, c'est le code. On est à start. Hein. Pourquoi Pourquoi je me fétais-je là Je devrais pas me faire tage. C'est con ça. Normalement. Non non, non c'est pas data c'est pas data c'est pas data. Attends. Info. Attends je run là. Ah non mais attends j'ai. Je le run ou pas? Mais non j'ai pas run. Ah, voilà aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à 80 48 0, 0 C'est quoi ça Allez, un petit effort là. Et oui, 7 F Qu'est-ce que c'est Bah, c'est mon leader elf. Exactement. Et voilà. Donc j'ai bien. Je reprends info euh, proc map, Voilà. Bah si si en fait. Bizarre. Non, le fichier j'ai pas... En fait c'est pas c'est pas super clair en fait. 4, Proc. Tech. Maps. Ouais bizarrement euh... Bizarrement il m'affiche euh... tout de euh... 8000 à euh... 4A000 euh... 4 Mais euh... En vrai bah on a notre leader, Elf Bah en fait Léa ça lui sert à quoi bah rien euh, je le, le fait Non non mais non mais t'as raison t'as raison d'être chamboulé euh, le, le fait qu'il load le, le leader, je pense sincèrement que c'est euh, potentiellement pour avoir des infos euh, sur, sur le processus, par exemple pour, je sais pas, des, euh, des, 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 euh, des programmes spécialisés comme Radar 2 ou peut-être même GDB d'ailleurs. Hein. Euh, euh, certainement que GDB d'ailleurs utilise les informations qui sont dans le leader. Euh, mais euh, y a, en soi. Je ne vois pas de raison forte euh, à ce qu'il euh, à, à y ait le leader Ralph qui est loadé. Après, je vais te dire, hein, il suffit de regarder ici ce qui se passe. Mais euh, je, je pense que euh, le kernel s'en fout. Je pense que le kernel, il va direct euh, dans la zone où il y a des trucs qu'il doit loader. Euh, et lui, ce qui l'intéresse... Bah, c'est de loader en particulier le texte et, et les datas etc. pour commencer l'exécution, placer EIP sur, sur euh, euh, l'entry point et euh, démarrer les trucs. Quoi. Oui, oui, oui certainement que GDB utilise ça. Et certainement que des outils comme, comme Radar 2 l'utilisent également. J'ai gavé 30 personnes d'un coup là. <laughs> bon voilà, on va s'arrêter parce que euh, c'était assez dense. Et euh, moi-même, euh, moi je commence à, à bafouiller. Il euh, y avait beaucoup de choses là. Hein. Ah, le pad, le pad, le pad. Putain. Et heureusement que tu es là, John, parce que euh, j'oublie je, je, en permanence. Euh, c'est le pit BSD qui sont aussi gros. Non, alors je rappelle, je suis, là, euh, je suis sous Linux. Hein. C'est c'est pas, euh, pas un BSD. Je le ferai également sous, 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 euh, sous NetBSD euh, à un moment donné. Euh, mais euh, non non là c'est du euh, c'est Linux euh, bruit de fonderie euh, j'ai une question vu qu'on load comment le kernel fait la différence entre texte et data et eh bah ben ici on regarde tu vois ici on load là dans donc là on est on est dans le kernel hein. on est dans la boucle qui charge euh, les segments intéressants et tu vois ici bah fonction de euh, si c'est euh, euh, en write, euh, si c'est pas en write, euh, etc., etc., bah, il va le, il va le mettre en data ou euh, ou en, en exécution. Voilà, c'est vraiment au niveau du kernel que ça se passe. Euh... Ensuite, euh... c'est bon, Léa. Euh... Il fait la diff avec le pointeur d'instruction. C'est comme ça qu'on trouve le X. Je ne, alors je sais pas quel... Dans, dans quel contexte es, euh, il le cuit, Quand tu dis, il fait la diff avec le pointeur d'instruction. Euh, Zizou 5706 tu peux nous expliquer ce que tu fais sur, sur tes streams. Oui, avec grand plaisir. Euh, alors, en fait, là, on, bon, on en est au, au 15e épisode, euh, mais l'idée de ces streams, c'est d'expliquer le fonctionnement euh, profond et interne des systèmes Unix, et en particulier, là, Linux. Euh, qu'on a pris euh, parce que bah, c'est simplement euh, celui qui est le plus, euh, euh, le plus populaire. Et vraiment, on rentre le plus profondément possible euh, dans le fonctionnement, mais en essayant euh, d'être le plus didactique possible, et euh, de montrer des exemples, et de, fonc de, de montrer comment ça marche pour de vrai, quoi, comment les trucs sont chargés, la liaison entre le userland et le kernelland, etc. Voilà. Euh, ok. Attends, l'alterre qui me dit Je pense que tu ne te rends pas compte à quel point tes streams se font du bien aux autodidactes comme moi, qui ne sont pas devs euh, n'ont jamais fait d'études poussées. Alors, pour info, euh, moi j'ai pas appris ça à l'école, hein, juste que ce soit clair. Euh, j'ai fait ça seul, euh, aussi je suis autodidacte. Euh, se sont tout petits et des fois un peu victimes de syndrome de l'imposteur, alors bienvenue au club. Euh, dans le milieu pro, face à des mecs doués. Qui se, raconte, qui se la raconte trop. Alors attention aux mecs doués qui se la racontent trop. Hein. Il y a des mecs doués qui se la racontent trop, qui sont, qui, qui sont incapables de, de, de comprendre un millionième de ce qu'on vient de voir. Euh, tu démystifies plein de concepts de façon fun et ludique. J'espère, j'espère. Super enrichissant. Je le je développe à chaque épisode. Vraiment merci. Eh ben merci à toi euh, de ces témoignages parce que c'est vraiment la raison d'être de ce live. C'est de vous filer le max d'infos de façon la plus. Transparente possible. Moi, j'essaie de ne pas faire, je vous l'ai déjà dit, hein, j'essaie de ne pas faire des, euh, des cours magistraux, ça, moi ça m'a fait chier euh, quand, quand, quand j'étais en cours. Moi, j'essaie de vous montrer des trucs, comment ça marche avec euh, preuve à l'appui, code à l'appui. Euh, donc, Léa, mais vu qu'avec les options compile, ça, rend, ça rendait X la stack, ça va pas matcher avec le. Alors, euh, je vais essayer de ne pas y passer trop de temps, mais euh, le. le, le Lorsque euh, tu loads euh, data, en fait, tu as l'information que c'est data. Euh, de, le, le, le kernel, euh, tu vois, il a cette information-là. Merde, je suis où là Ah oui, non, je suis plus là où il faut. Voilà. En fait, tu vois, ici, euh, tu as, tu as des informations sur les, sur les sections. Tu sais, tu sais que c'est de la data. Et surtout, en fait, alors, on va on va parler très largement de la relocation, mais ça, il faut bien avoir l'esprit que c'est une adresse. Il y avait quelqu'un euh, la dernière fois, la fois d'avant, qui avait dit le, le, lorsque le code machine est, est en cours d'exécution, il n'y a pas il y a pas de notion d'adresse. Pardon, il y a pas de notion de, de variable. Il y a que des adresses. Et, et en fait, ça et ça, c'est des adresses. Et ça et ça, c'est traduit sous forme d'adresse dans le code qui est chargé par le kernel. Euh, ta 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 ta, super épisode, bien dit Merci beaucoup Sofiane. Est-ce euh, okay. que je rate quelque chose là Petite question euh, Ok, ça c'est bon, je l'ai vu. Euh, pour tous ceux qui me rejoignent, qui me nous rejoignent, euh, et euh, bah, du coup on est au 15e épisode, donc ça fait un petit moment euh, qu'on... Qu on navigue dans les eaux euh, que j'espère le moins trouble possible du, du kernel et, euh, et de l'exécution des programmes euh, sous linux je vais euh, je vais remettre je vous mets tout de suite le, le lien vers les vidéos qui sont sur youtube puisque je balance tout ça sur youtube le lendemain voilà euh, et euh, bah les premiers épisodes euh, expliquent l'organisation et comment booter un Linux vraiment de from scratch. Et puis on a dérivé petit à petit euh, sur euh, bah comment finalement ça fonctionne à l'intérieur. Et là, on en est aujourd'hui à expliquer le format ELF, qui est le format entre autres des exécutables sous Linux et sous plein d'Unix différents euh, et on va voir dans un prochain épisode comment ce format permet d'utiliser des librairies partagées pour éviter de compiler plein de choses en statique voilà mesdames messieurs je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai plus de voix euh, c'était chouette je me suis bien amusé dans cet épisode euh, je me suis bien amusé parce que j'ai vu j'ai vu euh, plein plein de wow, c'est comme ça que ça marche moi j'adore ah, ça euh, ça c'est un gros kiff moi. Quand, quand je vois les euh, quand je vois les quand je vois les réactions et que je vois que vous comprenez c'est pour moi c'est vraiment un énorme kiff euh, donc voilà j'étais un petit peu rapide sur les, sur les segments mais euh, dites vous voilà LD prend les informations euh, qui sont fournies par les sections en fait des segments le kernel, c'est ça qui l'intéresse. Euh, il regarde les segments, il regarde ce qu'il doit loader, il les load, et il fait pointer EIP, donc le pointeur d'instruction sur l'entry point que vous avez vu, on peut modifier finalement. Et c'est parti, voilà. Voilà, voilà Merci à tous On est 60, je pense qu'on n'a jamais fait ça. Euh, merci à tous Rendez-vous euh, samedi 15h a priori. On va continuer. Euh, oui, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup beaucoup de mensonges. Euh, on va continuer euh, avec Elf et cette fois. Pour, 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 cette fois, on va, on va démystifier le chargement dynamique. De librairie, je veux dire bibliothèque, pour faire plaisir aux puristes. Euh, et comment comment on fait pour aller appeler des fonctions dans des librairies Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Comment ça marche C'est quoi l'interpréteur Bref, tout ça, tout ça. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube et que vous avez kiffé, je vous demanderai euh, je vous supplie de, clier, de cliquer sur euh, les likes, les pouces, les trucs, vous aimez, vous commentez et tout. Euh, parce que comme ça, ça va me permettre euh, euh, de faire de cette activité quelque chose d'un peu plus soutenu et sérieux. Euh, en tout cas, j'espère. Euh, donc likez, partagez, parlez-en autour de vous et tout. Euh, ça sera super pour moi. Et j'espère pour vous. Voilà. Je vous souhaite... Une très très bonne soirée. Je vous fais des bisous. Je vous remercie encore pour tous vos messages. C'est vraiment un kiff. J'ai aller... ça... vu que ça a tourné sur Twitter aussi. Ça va, ça va être trop cool. Euh... Bonne nuit et je vous dis à samedi.